à Québec. 102.1. Lisa va se mettre nu, elle aussi. Puis, ça ne tente plus, là. Ah, ça ne tente plus, là. Même moi, ça ne tente plus vraiment, mais il est comme tout le temps. Honnêtement, là, tout ce que ça prend, c'est une bouteille de vodka. En fait, deux verres de vodka et c'est réglé. Pardon? On peut y aller? Ah, c'est à nous, là. Merci. Là. Let's go. Prenez les sacs. Let's go. Tout nu pour la radio. Au centre, c'est quoi? Bienvenue au 102, c'est quoi tout le monde? Tout nu! On partira pas la musique sensuelle tout de suite. Ça prendrait les préliminaires. Alors aujourd'hui, on l'a promis depuis le début de l'été. C'est un pari qui est parti comme ça avec des auditeurs. On a dit qu'on était game, nous, de faire un show tout nu. Seulement si Ilsa acceptait elle aussi. Ben oui! Ouais. Est-ce qu'on peut monter, mettre un petit peu de chauffage dans le studio, oui. Là, il fait froid? Ça, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, on est nerveux. Moi, j'avais pris des résolutions en fin de semaine. Je me suis dit, là, mes collègues de travail vont me voir en nu. Là, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Imaginez ça, vous, mettons, vous êtes au bureau. Là, regardez les gens autour de vous, puis imaginez que vous êtes tout nu avec eux autres. Ça vous tente-tu vraiment? C'est ça, la question. Alors, je m'étais dit, tu sais, il faut faire attention à ce que je mange ce week-end pour arriver mais avec un vent. Je pense que ça change rien rendu, là, Seb, un week-end avant. Puis je me suis dit, tu sais, je ne boirai pas de bière, tout ça. Finalement, je me suis commandé deux fois du chinois, puis j'ai fini une caisse de Heineken. Donc, finalement, c'est tout allé au vidange. Parce que la semaine dernière, Sébastien, tu m'as demandé si aller au gym pendant trois jours, ça changerait quelque chose. Sérieusement, je sais pas de quelle façon, miraculeuse, tu pensais que t'allais te développer un six-pack en trois jours. 72 heures, là. Ouais. Non, ça marche pas de même, le body. Mm-hmm. Non. C'est le moment fatidique, en bientôt, là. Ben, c'est là, évidemment, on va pas se déshabiller d'un coup. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec chacun un soulier pour commencer? Bon, on peut m'enlever un soulier, mais là, les fenêtres du studio, pour vous le dire, sont pas encore barricadées. Non, c'est ça, là. On a des sacs de vidange qu'on va. Tiens à vérifier avant tout, là. Le sac de vidange sur la fenêtre, là. Ben, regarde, juste pour donner le ton, on peut enlever un soulier. OK. On enlève un soulier. Peut faire ça tout de suite. Tiens, on va le montrer à la caméra en même temps, parce qu'on est filmé. Non, mais là, un soulier. On commence tranquillement, voilà. Là. Regarde, une chose à la fois. Mais là, on n'a pas de musique, là, je sais pas. Ah, la musique, regarde, OK, mais la musique sensuelle. On va enlever un soulier sensuellement. Depuis quand t'as besoin de musique pour te déshabiller? Comment on est où, la vodka? Ça va être bien plus simple. Bon, parlant de tout nu, on commence l'émission avec nul autre que Miley Cyrus. Ah oui, encore! Oui, ça se prépare, cette émission! Ce n'est pas ce que vous pensez! Est-ce que c'est ton cellulaire ou t'es juste content de me voir? Ouais, j'enlève ma veste. Ouais. Déjà! Hey! En direct de Québec. Les justiciers masqués. Votre dose d'humour quotidienne. Ils ont déjà commencé à enlever des parties. Ouais, mais là, ça me donne chaud, là. Okay. Il fait chaud en studio. Ouais, c'est incroyable chaud, hein? Comme il fait chaud. Là, mais c'est collant. Et c'est chaud et c'est noir. Mais qu'est-ce que... C'est du duct tape. Et ceux qui viennent de se joindre à nous, on en parle depuis plusieurs semaines déjà. On avait dit, ce lundi 9 septembre, on anime le show tout nu. Et là, ça s'en vient. Là, à date, évidemment, on est encore habillé, mais c'est filmé en même temps. Les fenêtres du studio sont presque complètement cachées avec des papiers journaux. Je comprends que ce soit filmé, mais c'est pas que je t'aime pas, Louis, mais à un moment donné, tu vas disposer. Ben oui, on le remercie d'ailleurs d'être là pour nous. Oui, puis il faut dire que là, en ce moment, on est toujours à la lumière des néons, ce qui n'est pas nécessairement avantageux. Non, on pourrait avoir l'air vert. Alors, il n'y aura aucune. Bon, ça, c'est le moindre de mes soucis, là, mais on va fermer tantôt toutes les lumières du studio. On va être éclairé quand même un peu tamisé. Et on fera la première émission de radio nue de l'histoire. Alors, à venir au 102, c'est quoi? À part de ça, il y aura Kelly Clarkson et également, on va... À part de ça, qu'on va tous se voir tout nus. Ça va être quelque chose, hein, ça, pareil? Ben, imaginez ça à la maison. Imaginez vos collègues de travail... Vous rentrez à job, puis là, vous devez travailler avec eux autres une heure complètement nue. Ben là, je salue nos amis du Lady Marianne par la même occasion. Ils sont plutôt habitués de faire ça. Amenez après la pause, on aura aussi un test sur la charte des valeurs québécoises qu'on teste sur deux immigrants. Génial! Au 102.1, c'est quoi? J'ai de la caméra. À Québec. 102.1.